Bienvenue l'équipe de coronavirus. Et si on est... Putain, baissez-vous. Ça va le faire, vieux. Bienvenue à la guerre. Ah, c'est un éclaireur, ça, de la tribu des blagues de merde. Il y en a un paquet dans le coin. Et pourtant, on n'est pas les canards. Quoi? Putain, il m'a eu. C'est de la seringue. Ah, j'ai construit un Velux dans la cuisine de ma meuf. Je pense que les femmes aussi ont le droit d'avoir leur point de vue. Ça va mieux. Ah, ça fait 12 lunes que je surveille ici. Ah, voilà, regarde. Deux frères siamois, là, qui se pavanent en respectant pas la distanciation. Putain, mais ça... Putain. Ah, la règle est la même pour tous, messieurs, hein. Tiens, tenez, c'est du skip. Deux en un. Le manque d'eau n'est plus inquiétant, hein, je bois mon urine, principalement, voilà, hein, ça reste meilleur que du saumur champigny. Après, la peur se fait sentir, hein, mais Et pas que, d'ailleurs, t'as bouffé des flageolets à midi, toi. Tiens, viens. Tu vois ici, là, les traces d'huile. Ah, elles sont fraîches. Ouais, ça, c'est des traces d'huile de foie de Muriel Pénicaud, ça. D'huile de foie de morue. Ou alors peut-être que c'est un troupeau de sardines. Putain, j'espère qu'elles avaient leur attestation, quoi. Putain, après, elles ont pas de bras, elles pourraient pas signer, quoi. Ou alors elles rouleraient sur la feuille, quoi. J'ai signé. Du quoi, sauf si leur tante les accompagne de... Des sardines de tante. Parlons. Ouais, mais toi, je t'aime pas depuis le début, je te le dis, je t'aime pas. Allez, suis-moi. Bah putain, c'est la musique de Koh-Lanta, ça. Qu'est-ce que tu fais, gros? Respecte-toi, je prends l'accent du sud, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, je sais pas où tu les emmènes, tes potes poissons, quoi. Dans des boîtes branchies. T'en as d'autres, des vannes de fils de pute comme ça, là? T'en souffles pour voir, là? Putain, t'es sobre en plus, t'as aucune excuse. Non, mais toi, je te souhaite franchement de faire un Lille-Barcelone en bus assis entre Pierre Ménès et Marianne James, quoi. C'est la guerre ici, grand, d'accord? G-E-R, guerre. Mais non, un cimetière, c'est pas une boîte échangiste pour nécrophiles, ferme-la. Ah bon, faut qu'on retrouve Clémence. C'est ma part de féminité. C'est celle qui fait que je me trompe de direction parfois. Eh, c'est comment reconnaître une femme courageuse? À la taille de ses couilles. Quoi? Oui, mais je le connais ton jeu là. Tu me balances un mot, je reprends la dernière syllabe de ton mot, je refais un mot, nanani, nanana. C'est quoi ton mot? Cravate. Cravate, fait enculé. Gagné. Ça, tu vois, bonhomme, c'est l'album d'Ilona Mitressé, ça. Je l'écoute quand ça va pas et... La moment là, elle va toucher à l'assassin là. Ouh! Ah, oh, putain, Clémence! Putain, les salauds quoi! Ils l'ont scalpé, putain! Ah, Clémence, putain! Ah non, je suis parti trop tôt! Bah si, il est même pas 14h! Mais non, c'est pas du bon poil! Ferme-la, toi aussi! Ah putain, elle est fourbe en plus! Ça fera les fourberies nous scalper quoi! Ah, hey, Jean-Baptiste Poquelin là, alias Chopin là, la 9ème symphonie! Tu vois, lui, il est de ma famille aussi! C'est un coussin éloigné. Oh putain, attends, bouge pas là, je vais régler le problème des Français là. Marche plus. Oh putain, je l'ai eu des semaines que j'entends parler de lui. Emmanuel Macron. Alors, hein, on entend moins ta réforme des retraites là, hein. Bon, après concertation avec l'équipe là, on s'est trompé de cible. Ça ressemblait à un homonyme. L'homonyme, c'est l'inverse de l'hétéronyme. C'est un bon mot d'enculé. Ouais, je vais me faire pardonner, je t'emmène voir un spectacle de danse. Viens. Ça va, fais pas la gueule, je t'avais dit, je t'emmènerai voir un ballet, là. Je finis de te fabriquer une boucle d'oreille à l'effigie d'Agnès Buzyn. Comme ça, on pourra dire que je t'ai mis la pute à l'oreille. Guitare, il balance là. C'est dingue ce qui se passe. Ah, tu préfères perdre tes deux bras ou rouler une pelle à un tigre dans le sabre? Oh, j'ai gros. Non, j'aime bien regarder cette boîte, ça me rappelle la saison après le printemps. C'est l'été. Putain, je vais y rester, bordel. Dis à ma femme que je l'aime. Mais dis-lui aussi que je la méprise. Ouais, faut pas qu'elle prenne trop la confiance quand même. Putain, y'a rien à la télé ce soir. On met la 2 ou la 3 du coup? Ouais. Ah, le propos reste plus intéressant que les émissions de BFM, hein. Et le jeu d'acteur est meilleur que dans Plus belle la vie, quoi. Eh, hey, tu l'as mis où ton portable, au fait, toi?